Alors, nous sommes sur ce plateau ici, celui de tout à l'heure, celui où je disais qu'il y avait un truc rouge qui était... On le voit ici. Je vous confirme bien que derrière, il y a une étoile. La voici. Maintenant, comment on y accède? C'est une autre question. Je viens de comprendre comment on y accède. On y accède via ici, mais ici, pour pouvoir y accéder, il faut que celui-ci soit en haut. Donc il faut qu'ici, j'ai un cube. Donc c'est-à-dire que le cube, pour le moment, qui est à l'extérieur, ne me sert pas pour celui-ci. Je sais pas si c'est logique. C'est-à-dire que ici, là, dans cette zone-là, c'est par où j'ai sorti le cube tout à l'heure en passant par là. Donc du coup, ce cube-là va nous servir très certainement pour autre chose. On va essayer de trouver et après on viendra reset le tableau et on viendra mettre ce pic là ici et je pense qu'une fois qu'on l'a là via ce tableau ici est-ce qu'on va arriver à le voir par là, peut-être par là merci. Ah ouais d'accord, il m'autorise à sauter sur le mur, par contre il m'autorise pas à finir le tableau après. Oh c'est pas grave. Ouais, en fait je sais pas après comment je le récupère le rayon. Sinon, dans l'absolu, en fait, quand on cherche un petit peu, et surtout quand on va beaucoup trop vite sur certaines énigmes, là je suis sur celui vous savez où il fallait passer par-dessus la bulle. En fait je viens de me rendre compte que dans la zone, bah, il y avait déjà une étoile en fait. Donc du coup, en fait il y en a qu'une seule qui est compliquée à aller voir. Je vais essayer de le faire quand même. Vous voyez la zone dont je parle? Voilà, en fait on était ici et en fait en regardant un petit peu par là, ben, je me suis rendu compte que en fait il y avait une étoile qui était en dessous. Noob! Bon, nous revoilà ici. Alors j'ai fait pas mal de tests, hein. J'ai été obligé de reset la map, mais ce côté-là c'est pas très difficile. Faut juste faire un petit coup de truc. En gros, dans le fonctionnement, on met celui-ci. Ici, on va chercher le rayon qui est à côté. Et en fait, on arrive à voir notre rouge qui est ici. Ça ne pose aucun problème. Ça, on arrive à le faire. La problématique, c'est qu'en fait, en faisant ça, on n'a pas l'autre cube pour pouvoir monter plus haut. Et en fait, le cube pour pouvoir monter plus haut, je pense qu'il est indispensable ici. Parce que là, sinon, si jamais je mets un rayon qui va être là, déjà, je suis même pas sûr en termes d'alignement. Je pense que cette rangée de poteaux là, ici, va me gêner. Et je pense surtout que ici, je suis clairement pas assez haut. Alors, regardez en termes de hauteur. Hein. J'ai à peu près la partie haute qui est au niveau bas des grilles et qui est ici. Hop, viens ici, toi. Et, ouais, du coup, je passe de l'autre côté. Pour vous montrer, je suis au niveau bas des grilles. Donc là, donc grosso modo le rayon va se situer à peu près à cette hauteur là et à peu près à cette hauteur là. Si jamais je suis, on va dire que par rapport au mur, on va faire le transfert sur ce mur là. Au niveau le bloc bas va être à peu près à cette hauteur là. Donc du coup le rayon va être à peu près à cette rangée de briques là. Si jamais je fais la continuité au niveau de la rangée de briques, ben, en fait on voit que il n'y a aucun endroit pour que ça passe. Du coup, ça veut dire que la solution, elle n'est pas par là. Et je la vois pas en fait. Si jamais il y en a une autre, je la vois pas du tout. Peut-être en passant par les murs, peut-être en passant par l'autre côté. Mais là, de l'autre côté, on est déjà à l'extérieur de la map. Du coup, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Donc voilà, je pense que la partie bonus de ce vidéo a duré suffisamment longtemps. Vous voyez, sinon il y aurait la possibilité peut-être de passer par là en fait. Hein. Passer par là avec en ramenant... tout à l'heure, ouais, j'avais pratiquement réussi à sortir les trois blocs. Donc du coup on peut arriver à faire venir les trois blocs ici, c'est assez compliqué, faut reset, faut passer par là, faut en récupérer les deux. Alors en gros le fonctionnement c'est, on prend le bloc qui est ici, on l'amène de l'autre côté, on va dans cette zone là ici, est-ce que je vais arriver à me tenir, voilà, on va dans cette zone qui est là, les blocs qui sont là on les fait venir contre le mur et après on arrive à les récupérer pour les passer ici. Donc dans cette zone là on arrive à récupérer les trois blocs, s'il faut le fait d'avoir les trois blocs nous permet de passer par ce mur là, et en passant par ce mur là, peut-être qu'on peut arriver à escalader, viens voir, parce que là on est, et on passerait devant le mur, donc on aurait peut-être moyen de passer par là, on va essayer.
Alors là, je le fais en mode speedrun. Hop, que je me trompe pas. Voilà. Salaud! Ouais, si c'est ça. Je l'avais fait comme ça, enfin je l'avais fait un petit peu plus compliqué tout à l'heure parce qu'en fait j'avais pas fait le tableau. Enfin pas fait le tableau, si j'avais fait le tableau mais j'avais tout reset, c'était, j'avais pas reset. Donc c'était un petit peu plus compliqué. Attendez, je me fais pas un sac de nœuds là. Si, je me suis fait un sac de nœuds, c'est celui-ci qu'il fallait perdre d'abord. Allez, let's go, on va essayer de le faire en speedrun par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. En fait, j'ai dit une bêtise, parce que moi, en fait, tout à l'heure, j'avais été obligé de reset le truc, j'ai remis les trucs après, etc. Donc, en fait, il faut le faire dans cet ordre-là. C'est-à-dire que d'abord, on vient mettre ces deux-là. Essaye. Vraiment pour avoir les trois blocs, etc. Je pense que c'est peut-être la solution pour passer sur le mur là-bas au fond. Je sais pas du tout. Après, on va dans celui-ci. Dans celui-ci, on va récupérer celui-ci de bloc. On le pose. On a juste besoin de faire tac tac tac. Voilà, comme ça, le bleu étant toujours activé, on passe largement. Hop, raté. Des fois, pour des raisons inconnues, il veut pas tenir. Voilà, on récupère celui-ci. On passe par là. Elohim qui a envie de nous éclater, mais on lui dit nope. Elohim, j'ai ici. Voilà. Et à partir d'ici, on récupère celui-ci. On peut le jeter. Enfin, le jeter. On va le mettre ici. Pourquoi tu veux pas me l'attraper, coquin? Je l'ai pas bien placé? Je l'avais tout à l'heure. Comment j'ai fait pour sortir les trois tout à l'heure? Ah non, c'est pas celui-ci. C'est celui qui est là-bas que j'ai sorti. C'est celui qui est là-bas que j'ai sorti. Donc là, c'est bon. Oui, parce que j'ai fait 150 000 resets. Hop, pardon. Et là, j'ai fait bêtise. Voilà, j'ai fait bêtise, j'ai fait bêtise, j'ai fait bêtise. Je me suis niqué le truc. Oh, vous voyez, c'est très agaçant. Et c'est ce qui m'était arrivé à l'épisode précédent, sauf que les cheminements étaient 10 fois plus longs. Allez, on reboot. Ouais, je fais le truc en mode survivor de l'extrême. Ouais, parce que de cela aussi, on peut en sortir un sans trop de difficulté. Non, 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 reprends-le. T'as forcé. Celui-ci, je commence à le connaître. Hop, 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 viens ici. Elohim, tu vas pas m'exploser. Hors de question. Voilà, on récupère. Tac, on te récupère toi. Toi, te pose ici, on récupère ça, on va là, on monte sur le mur, toi on te jette, toi on te récupère, oh yes, merci, j'ai récupéré les deux. Alors, après, du coup, je pense que ça serait en étant par là. Du coup, on va se les approcher un petit peu. Alors, je sais, il y en a peut-être certains qui vont dire « Ouais, mais c'est t'es pas loin du glitch. » Je pense pas, en fait. Je pense qu'on est vraiment dans quelque chose qui est calculé par les développeurs. Le fait de pouvoir poser des blocs comme ça, je pense que c'est vraiment une connaissance du jeu. D'ailleurs, à certaines étoiles, on n'a pas pu les avoir comme ça. Non, je dis une connerie, c'est pas celui-là, c'est celui-là qu'il faut ouvrir. D'accord, donc bloc. Et en fait, tout à l'heure, j'ai réussi à sortir un bloc en passant par là. Hop. Voilà. Oh, je l'ai bien mis du premier coup là cette fois. Et voilà, et on récupère ce bloc là. Et après, en passant là, raté. Alors, c'est assez compliqué. Parce qu'en fait, il faut vraiment sauter au bon moment. Ah, oh, zut. Vous
Oui, j'ai l'œil qui me grattait. Je me suis enlevé l'œil, je l'ai remis. Mais what? Sérieux, tu me l'as fait du premier coup. Ah mais non, c'est pas ça que j'ai sorti tout à l'heure. Tout à l'heure, c'est le rayon, j'avais mis les deux blocs l'un au-dessus de l'autre. Oh mais non. Et tout à l'heure, c'est ça qui s'est passé. C'était le rayon que j'avais sorti. Mais what? Sérieux, tout à l'heure, j'ai fait du premier coup. Putain, puis ça fait une espèce de... un l'air, une espèce d'accéléré qui est très bizarre. Putain, mais je l'ai fait du premier coup tout à l'heure. Je suis sorti du premier coup. Et là, en plus, si jamais c'est pas ça, je vois pas d'autre chemin, en fait. Oh si, il y en a un autre potentiel, en fait. Non, je vais être trop loin. Et après, est-ce que là, la corniche du mur, est-ce que c'est suffisamment costaud ou pas? Je sais pas. Je sais pas. Je cale et j'aime pas ça. Putain, c'est vrai que l'ergonomie, quand même, c'est pas ce qu'il y a de plus transcendant dans ce jeu. Enfin, les contrôles des... Non, mais sérieux, mec. Oh mon Dieu, j'ai réussi. Bon, maintenant, je pourrais potentiellement accéder là. Je les dépose. Nope. Alors du coup, est-ce que c'est pas plutôt l'inverse en fait qu'il faut que je fasse? Est-ce que c'est pas un bloc que je viens ramener ici? Alors attends, si jamais je passe par ce mur là, en fait je vais juste ramener. Juste ramener un bloc en fait sur ce mur. Le ramener sur ce mur, est-ce que c'est vraiment utile? Attends, si je ramène un bloc de plus ici, je peux en récupérer 1, 2, 3. Est-ce que près derrière, je peux me faire un chemin? Parce qu'après, j'ai la possibilité de passer... Si je me ramène les 3 blocs le dessus, je passe par-dessus, je passe par là. Et je passe là-dedans. Et je passe entre les deux. Et je vais de l'autre côté, oui, c'est ça. Donc du coup, il faut que je repasse par-dessus le mur ici. Que je récupère un bloc. Et je l'ai fait tout à l'heure comme ça, là, tu vas pas me... Mais what the fuck? Le gros tabanard. Putain, sérieux, hein, une fois sur deux, il veut pas. Hein. Du coup, un bloc. Deux blocs. Alors tout à l'heure, j'ai réussi à balancer 3 blocs de l'autre côté. Comment j'avais fait pour balancer 3 blocs de l'autre côté? Ouais, c'est pas difficile en fait. Hein. Hop, non, raté, il vient ici. Enfin, 3 blocs, pardon, pas 3 blocs, mais 2 blocs. Alors,
un bloc. Lol. Bon, c'est pas grave. Si, c'est grave. Je suis bloqué. Ah ben non. Attends, attends. En fait, j'aurais pu passer depuis tout à l'heure ici. Je suis sûr qu'on peut tomber sur cette tranche là. Attends, j'escalade les murs moi. Ah, c'est ça, il faut bien. T'es même avec deux, je passe pas. T'es chiant. Est-ce que je peux pas te mettre un truc dessus? Non, mais ils sont super casse-couilles en fait. J'ai l'impression d'être complètement buggé en fait dans les blocs. Toi, est-ce que tu me prends? Je suis en rupture, les amis. Non mais je t'ai dit ici là, sérieux. Oh là là, en fait on n'a pas besoin des trois quoi. Ah si, parce que sinon je peux pas appuyer sur la plaque en même temps pour le lever. Donc il y a bien besoin de ramener un autre item ici. Et à partir de là... Oh non, me dis pas que... Ah, c'est bon. Et là, j'ai une peur de tomber, en fait, je vous dis pas. Je suis le maître du monde. Je savoure un peu, là. Je savoure un peu. Alors, en voyant... Ah, je crois qu'ici, en fait, on passe pas. Je crois que c'est vraiment par là qu'il faut les passer. Enfin, c'est perché quand même. C'est vraiment trois trucs qui sont vraiment à la limite du glitch. Et si on fait passer les trois au fur et à mesure, on les fait passer par-dessus, enfin, pour pouvoir en ramener deux ici. Donc, c'est-à-dire qu'il faut en mettre deux là-bas, un en position de sortie pour celui-ci, aller à l'autre, le ramener ici. Une fois qu'il est là, on le fait passer par-dessus, on le ramène là. Une fois qu'on en a deux, on le fait ici pour que ce soit suffisamment haut pour que de là, on puisse en récupérer un, en réinjecter dans ce truc-là. Si c'est la seule solution qui est possible, je dis que ça commence à devenir quand même vraiment perché. Et du coup, c'est bien parce qu'en fait, c'est vraiment on joue avec les, on joue vraiment avec les règles du jeu. J'aurais bien aimé quand même alimenter le rouge, mais le rouge, en fait, voilà, le truc, c'est que le rayon rouge, j'ai vraiment l'impression en fait qu'il faut vraiment être en hauteur, donc quelque chose de très très haut pour pouvoir alimenter ici, parce que là vous voyez bien que la grille en fait elle a vraiment la on peut pouvoir descendre, vous voyez elle a vraiment la fente là ici pour le truc, je la ramène parce que là en fait je vais être bloqué ici je vais être bloqué, je vais être obligé de faire un reset pour pouvoir le passer. Mais Osef. Bon voilà, c'était l'épisode bonus d'aujourd'hui. Je sais pas comment je vais vous le diffuser, mais de toute façon vous le savez déjà puisque l'épisode vous êtes en train de le regarder. Ah là là. Bon, et eh bien écoutez les amis, puis comme c'était une bonne fin de journée, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao ciao.